Plusieurs églises aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent de lui toujours. Parce que tant qu'elle est dans la génération de Jésus-Christ, sa belle-mère, elle est rentrée dans son pays. Elle est partie réconforter sa famille. Arefamon TV. Il faut que tu comprennes que les jours sont proches. Les jours avancent pour que ta vie soit restaurée. Pour que ta vie. Merci, pasteur. Et nous avons honoré aujourd'hui. Je suis très content. C'est comme vous l'avez dit, je suis chez nous. Amen. Je suis le révérend Willy Boutouadi. Passé. Je viens de Grande-Bretagne, d'Aouti Grande-Bretagne, d'Aouti Londres. Alléluia! Alléluia! Nous avons la vie, nous avons l'église du Christ au Congo, et c'est fait. Nous avons fait la paix. Amen! Nous avons fait la paix. 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 Alléluia! Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va pas pour la vie. Le Congo est pas naïf encore. Tout vous semble. Et alors Dieu Tout-Puissant m'a commission la pression parce que tu es Dieu. Yo, m'a programmer les choses selon toi. Et par yo, Alza et Zalakate. Dis que le Seigneur, comme est à toi, ma carte de Sikakoyo. Seigneur, dis que c'est Oyo, on dit ça qui est exhortation, on sait qui pourrait encore aller. Beaucoup d'un beaucoup, Seigneur, a tiré quelque chose. Seigneur, nous ferons ici que. Rendre gloire parce que tu es merveilleux. Ça va aller sur le matin. Pandeko, Toko, Tan à la livre à Ruth. Canaille à Ruth. Ruth chapitre 1. Donc, on est ici à presque la 10e chapitre. Au moment où on peut monter, il faut avancer. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Awa et Zali Dikambo. Il y a moi la machine de béni Ruth, à côté de la Bible. Tant la vie sur l'élo pour rejoindre la destinée du chrétien. Côté la livre, il y a Ruth, chapitre 1, pour vous dire 2, 3, 4, parce que ça a mis l'idée, la destinée du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer de me parler en deux langues, comme ça français et anglais. Son qui interprète à Zali,
Bien, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelait Ruth. On lui dit la zone de la Awa. Merci beaucoup. Ruth, Oyo, à Baraki, moi, Tata Oto, Melek, moi, c'est Naomi. Ce couple venait d'Israël, à Kakna de Juda. Du Bota Oyo, de Routaki, à Israël. Ils ont fui la famine. Parce que la famille avait pratiquement traversé Israël. Et cela a fait que cette famille fuit là où ils habitaient. Ils sont partis s'installer dans un pays qu'on appelle Moab, une cité de Moab. C'est comme nous, bien-aimés. Nous étions ici, mais le Seigneur nous a amenés plus loin. Mais par notre passage destiné, c'était aussi la même chose. Ce couple, il est Naomi. Il s'était installé à Moab. Moab, il s'est installé Moab. Moab, il s'est installé à Moab. Moab, il s'est installé à pays où l'inceste avait pris la suprématie pour qu'il y ait une naissance de cette nation. Et c'est un pays qui n'avait pas une bonne réputation. Et mais quand ce couple a fui la famille, ils n'avaient plus le choix. Ils avaient deux enfants. Il y a Marcon et Pigeon. Na Jean. Quand ils sont arrivés là-bas, après quelques temps, na ngomami oyezalikoya, le papa est mort. Et bongo papa pe aye okufa. La maman ici Naomi, et bongo maman Naomi, elle est restée seule. Atika iye moko. Plus de ses deux fils, na bana ne mibale. Et ses deux fils, et bongo bana mibale. On leur poussait des femmes. Bango pe papa ni basi. Il y avait Orpa et Ruth. Alléluia. Amen. Quelques années après, 10 ans après, ces deux enfants sont Simon. Et Bongo, Baba et Naomi est resté pratiquement seul. Et Bongo Naomi a tika fait Bongo. Avec ses deux filles, ses deux belles filles. A tika yé Bongo na Babukiro na yito. Mais quelques temps après. Nasimamikolo. Elle avait appris que le Seigneur avait visité son pays. Et qu'il y avait du pain qui était tombé là-bas. Et cette fois-ci, elle a pris la décision de rentrer dans son pays. Et en principe, parce que son pays-là ne l'appartenait pas, c'était son pays d'origine. C'était Juda, Nakatina Israël. Alléluia. Amen. Alors, quand les deux belles filles ont compris que maman est en train de rentrer, notre belle-mère est en train de rentrer, elles ont accepté de partir avec elle. Et Naomi avait refusé. Mais Naomi y a boyke. Elle les avait bénis. Elle leur a dit rentrez chez vous. Parce que je n'ai pas d'enfant et je vais vous donner pour que vous puissiez vous remarier. Alléluia. Amen. Mais ces deux filles ont refusé.
Dans un premier temps, et par après, elles ont insisté. Elles ont pleuré. Elles ont dit, on ne peut pas te laisser seul. Il faut qu'on parte avec toi. Naomi a insisté. Elle dit, reste dans votre pays. Mais il s'est fait que l'une parmi les deux filles, celle qu'on appelle Orpa, accepter de rester. Yende a sepeli atika la naye. Elle a embrassé sa belle-mère. Et bongo ye ayambi oyazali mama na bongo. Elle est rentrée dans son pays. Et bongo ye ajongi na mboka na bango. Elle est partie réconforter sa famille. Et bongo ye ajongi pona kolenza libota na ye. Elle a rencontré ses amis, et bongo akeyi kokuta na baninga na ye pe na bakamara na ye o bazaka kobika. Mais tandis que celle que nous appelons Ruth, mais oyo tozali kobenga na koma Ruth, ya Ruth, celle que nous parlons aujourd'hui, oto solo bela a na tongo ya lelo, celle qui a une réputation aujourd'hui, elle a refusé de rentrer chez elle. Parce que Moab, pour Moab, c'est un pays maudit. C'est un pays qui n'avait pas de bonne réputation. Quand on te dit que tu viens de là, et quelque part on se dit que tu es maudit, tu n'es pas bien accepté. Alléluia. Amen. Mais cette dame formidable, Ruth, que moi j'aime bien parler. Moi si oya kitoko makasi atona makamakitoko oyo tozole bela Ruth. Cette femme dit ceci. Moi si oya lobiboye. C'est dans la Bible juste tokota ngoliboso. Elle dit ceci. Ye alobi. Elle déclare ceci. Ye alobiboye. Là où tu iras, bisika oyo kokende, moi j'irai avec toi. Ngape na kozala nayo. Là où tu seras enterré, e bongo bisika bakokunda yo, je serai enterré avec toi. Ngape bakokunda ngai nayo. Là où tu vas vivre, bisika oyo kokende kobika, je vais vivre avec ngape toi. Na kobika ka wana. Et ton peuple, e bongo bisika bandeko nayo, sera mon peuple. Bakozala pe bandeko nayo. Et ton Dieu, e bon nzambe nayo, sera mon Dieu. Bakozala pe nzambe nayo. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dika bandeko nayo. Ruth savait que Naomi avait la grâce de Dieu. Elle avait la chose de Dieu. Elle ne pouvait que s'attacher à Naomi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, paix était tombé dans son pays-là. Et que le Seigneur avait visité Israël. Elle n'a pas tenu compte de la situation. Où était Naomi? Elle n'a pas regardé la misère de Naomi. Elle n'a pas regardé la prison de Naomi. Elle avait la grâce de Dieu. Parce que Naomi, bon, Naomi avait un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus de Nazareth. Et ce Dieu-là, c'est celui que nous sommes vénérés aujourd'hui. C'est ce qui a renouvelé le souffle de Dieu. C'est ce Dieu-là qui est mort à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Pour que toi et moi nous puissions être appelés enfants de Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu. Parce que Ruth savait, sans ce Dieu-là, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est au-dessus des glorieux dieux. Bisika yo lembi. Yes, ya telemi. Là où tu es fatigué, il a commencé à travailler. Tu es malade en ce moment ici. Parce qu'il a été percé par des flèches. Comme le livre d'Esaïe en parle. Mais toi, tu as une guérison. En tant qu'homme, que c'est fini. Et la maladie que tu as, malade aux alentours, va t'amener à la tombe. Mais je voudrais te dire une chose. Que Jésus qui était à la tombe, quand il était ressuscité, il est ressuscité pour ta guérison. Là où tu ne te sens pas bien, où il y a un petit caillot.
même dans le moment il y a passé. Amen. Alléluia. Amen. Ruth est une femme exemplaire. Et bon, on de bénédiction. Elle ne regardait pas ce qui s'est passé. Et bon, mais elle voyait ce qui est arrivé. Ce qui sera arrivé. Parce que Ruth était arrivé. Et bon, Dieu a fait une destination merveilleuse pour Ruth. Elle comprenait qu'elle pouvait changer. Si elle s'attachait à cette dame ici, qui était une veuve, qui n'avait rien, mais elle savait que ce Ruth, ce Naomi, si je m'attache à elle, si je reste fidèle à elle, si je reste là-bas, ma vie sera changée. Alléluia. Amen. Personne ne parle d'Orpah. Personne ne parle d'elle. Mais Ruth se parlait dans la Bible. Je sais que par l'Esprit du Seigneur, plusieurs églises aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent de Ruth aujourd'hui. Parce qu'elle est dans la génération de Jésus-Christ. Bien-aimé, es-tu Ruth ou Orpah? Alléluia. Amen. Dans quel temps se situe toi? Où est-ce que tu te situes réellement? Tu es rentré à Moab. Tu vas en Israël. Tu as pris l'avance à Israël. Où tu recules à Moab. Mais bien aimé par le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que tu es en train d'avancer. Tu es en train de partir en Israël. Tu es en train d'aller en Juda. Parce que la bénédiction est là-bas. Parce que c'est un parcours qui ne sera jamais éprouvé. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ruth avait compris une chose que je ne lâcherai pas. D'autant plus que je ne suis pas encore béni. Mais je sais une chose, même si je ne suis pas béni aujourd'hui, le Seigneur va me bénir. Parce que je sais une chose, le Dieu de Naomi, c'est un Dieu de miracle. Le Dieu de Naomi, c'est le Dieu qui fonctionne avec le miracle. Le Dieu de Naomi, c'est un Dieu incorruptible. Le Dieu de Naomi, c'est le Dieu qui change les choses. Le Dieu de Naomi, c'est le Dieu de transformation. Le Dieu de Naomi, c'est le Dieu qui donne de la faveur, qui bouge ma vie. C'est le Père qui change ma vie. Quand j'ai la parole de Dieu, je proclame le positif avec moi. Quand j'ai la parole de Dieu, la mort vient le mariage à moi. Quand j'ai la vie, je déménagerai, je serai béni. Dieu ne ménagera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand ils sont arrivés, quand elles sont arrivées plutôt, quand Ruth vient dans la commune à Israël, à Bethléem, bien-aimés, Naomi a fait une déclaration, elle dit, je m'appelle Mara, alléluia. Amen. Les femmes qui ont vu Naomi rentrer en Bethléem, elles l'ont vu dans un état qui n'était pas bon. Parce qu'elle avait perdu les enfants. Elle avait perdu son mari. Mais la chose qui a fait que, mais
cette famille perd les membres, leurs membres. Et l'autre, aussi à Moussou, Libota Obazana, qui est en train de monter ma monnaie. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église là. Osaane, Katarigoma. Reste là-bas, bien-aimé. Tika la visita Oyosha. Le Seigneur va te bénir là-bas. Sante à Opa Oyayo. Tu te dis que moi je vais à mon web là-bas. Alléluia. Amen. Je t'ai dit de rester là-bas. Parce que tu as un pays qui est béni. Tu as une église qui est bénie. Ne regarde pas le bâtiment. Mais regarde parce que Dieu est ici. Parce qu'il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est en train de nous voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le Seigneur, Moning Amigatina Yesu. Ici, nous avons besoin de voir du premier chapitre au quatrième chapitre. Vous allez comprendre les révélations cachées. Vous allez comprendre les révélations dans ces livres. Ça, c'est un beau livre que j'ai. Bien aimé, ma vie a changé. Il s'agit de Naomi. Et Naomi. Il s'agit de Ruth. Toutes deux étaient des veuves. Toutes deux étaient des misérables. Mais je voudrais te dire, si tu es une veuve, notre Dieu, c'est le Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Notre Dieu, c'est le Dieu des misérables. Notre Dieu, c'est le Dieu des compassions. Alléluia. Amen. Oui, deux associés. Or, les associés, par contre, dans la Bamoumi Balé, riche, n'est-ce pas aimé. Comme ou un riche ou un pauvre. Mais les deux étaient des pauvres. Et c'était des misérables. Mais ce qui est vrai, Naomi était une associée plutôt. C'était comme une conche. C'est comme une mentor. C'est comme celle qui donnait de l'ordre à Ruth. C'est elle qui enseignait Ruth. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu acceptes que dans ta vie,
vie na yo, il faut qu'il y ait quelqu'un et ça la moto. Une association, un associé qui soit plus supérieur que toi, qui te coache dans le bon, celui qui t'amène vers la transformation, celui qui t'amène dans une destinée de gloire, celui qui peut changer ta vie. Et nous avons un grand associé qui s'appelle Jésus. Ça c'est ton entraîneur. Ça c'est ton coach. Mais ici, bien-aimé, dans ce livre que nous sommes en train de lire aujourd'hui, nous avons Naomi. Alléluia. Amen. Associé, c'est la personne qui t'amène vers une bénédiction. C'est ça qui t'amène dans une direction de la vie éternelle. Oh, bien sûr. Oui, à solo. Sans un coach ou une coach, elle n'avait pas la révélation. Elle ne comprenait rien. Elle avait une coach qui était Naomi. Bien que Naomi ne comprenait pas aussi sa valeur. Même si Naomi a appelé Baté, vraiment, elle m'a tué. Quand elle disait que moi je n'ai plus d'enfants, pour ces enfants qui peuvent vous prier. Parce que mon père, la Ruth qui avait compris la chose, elle s'est attachée à ses proches, à cet associé qui l'a amené de la vie, de la gloire en gloire. Je ne sais pas, de la famille du mari de Naomi. Donc, Boaz a salaki lek ya mobali ya Naomi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il avait plutôt racheté Ruth et a commis ici, moi c'est un bâton. Bien-aimé, Ruth, c'est cet homme-là. Par cette obéissance, oh Dieu a fonctionné ta vie. Mais je voudrais aussi te rassurer, bien-aimé, que le Seigneur est prêt aussi à fonctionner dans ta vie. Le Seigneur est prêt à changer ta destinée. Esaïe 43, tu as du prix devant de l'Éternel. Tu as ce prix-là. Même si aujourd'hui, les hommes te déconsidèrent. Les hommes te rejettent. Les hommes disent non, il n'a pas de la valeur. Mais je sais que tu as une valeur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit amical, c'est à Jésus. Un associé, une associée. Ah, ça est important pour la vie. Ah, ça est vraiment important pour la vie. Alléluia. Amen. Ne regarde pas. Yo, pour ta vie, on est allé. Communiser les lois à l'actif. Les lois pour ta dépoïté. Pour ta dépoïté. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a un frère là qui a chanté quand même en photo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment? Heureusement que l'église aujourd'hui fait partie de l'ECC. Il y a une église et ça elle fait partie à l'ECC. C'est pourquoi depuis que je suis venu, c'est la première église où je suis pour le péché. Il y a un temps où on a eu à appeler le bon mal de Boson à l'Ibabanigote à Isaka. Dieu sait pourquoi je suis ici. Le bon ensemble a eu pour la ligne à ça. Alléluia. Amen. J'ai travaillé à l'église du Christ. Alléluia. Amen. À sa Kokama. Alléluia Kokama. Il nous a appris ça. Amen. Amen. Nous en avons pas beaucoup. Nous continuons à l'aimer, nous continuons à le soutenir,
nous continuons à être à ses côtés. Amen. C'est comme moi là, les loges juives, je suis marié Boaz, c'est-à-dire, n'a pas mais Jésus a connu mon bal et la gare, n'a pas mis ça de l'allier, il y a un salé Naomi, à son tala, dès qu'il y a une libre à raison qu'il y a. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, il faut être dans la joie d'être près des femmes, reconnaissant, enfin, pour y saluer au bonheur. Amen. 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 Peut-être il va pas aller là. Aïe, il va pas sauter. Aïe, il va pas sauter. Dans mes mailles, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut avoir des Naomi. Il faut avoir des chants qui vous servent. Des chants qui sont en train de vous coacher. Des chants qui ont de l'amour. Comme de la valeur. Quand le Seigneur a élevé Ruth, le bon sang est à domolirite. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si Oyo Mazalena intelligence. Le parti des femmes, nous sommes tous des femmes de Jésus. Alléluia. Une épouse sage. Amen. Qui sert Dieu. Oui, nous avons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que tu as aujourd'hui. Nous ne serons plus dans la cour. Il y a le Christ Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Mais pourquoi Bandego Bazon Matsaboyenga est sati? Ton temps viendra. Ton temps viendra. Où le Seigneur va reconstruire tout. Ce qui était détruit, je déclare aujourd'hui que le Seigneur va reconstruire. Ce qui était moule, le Seigneur va rebâtir. Là où le temps a été foutu, le Seigneur va se relever par l'insulté, par conscience, par pardonner et par changer les choses. Amen. Ne vous en faites pas. Ruth est le modèle juif. Elle est dans la génération de Jésus-Christ. L'enfant qui est né de Boaz et Ruth. Elle s'appelle plutôt Obed. Elle est dans la génération de Jésus. Et il est le grand-père de Jésus. Ruth qui était l'inconnu, qui était l'étranger, ton nom sera écrit dans les livres de ce pays. Oui, on parlera de toi aussi. Je le déclare avec force. Il faut que tu le voyes. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Parce qu'il est maintenant le temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Yesu Hazali Nawa. Yesu Hazali Nawa. Yesu Hazali Nawa. Aleluia.
tu as un berger, aux alinamolakis, tu ne manqueras de rien. Tu as un berger, aux alinamolakis, tu n'auras pas la famine. Vous savez, bien aimé, voyez, Balingami. Naomi avait entendu Naomi Ayokaki que le Seigneur avait félicité Kensambe. Arrive à mon